Et donc voilà, bonne année à tout le monde. Yes, that's right. Always walking, baby. C'était pour vous. Nouveau morceau sans titre. Much love to everyone. Happy New Year. Je vais faire comme vous faites souvent, sauf que je le fais souvent. Je fais différemment parce que c'est pas pareil. Alors ils font souvent. J'aurais tenu des propos qui auraient touché des sensibilités ou heurté des sensibilités. Hein? Et surtout, il faut aller savoir. Pourquoi je tiens ces propos? Faut pas oublier, je ne fais que répondre. Vous avez la mémoire courte. Donc, et quelqu'un vous avait prévenu, quelqu'un qui me connaît depuis très longtemps, vous avait prévenu, attention, ne provoquez pas l'abeille. He's the wrong cat to mess around with. That's the wrong cat to mess around with. Don't mess around with him. Bonne année à vous. Et là depuis. Ah! Mais oui! Hey! I said it! You know? Donc, j'aimerais déjà commencer par vous dire. J'aimerais m'excuser auprès de personne. Absolute nobody. You know what I mean? No fucking body. All right? Tout ce que vous prenez comme exemple et tout, je vous ai dit. Vous voulez faire du vous voulez insulter, mais vous n'avez ça n'a même pas de sens ce que vous tout ce que vous dites c'est des conneries. Les écrans. On l'a vu tout de suite. Dès que BI est attaqué, vous faites du regroupement tribal. Right there. Vous faites ce que j'appelle un regroupement tribal. OK? Hey, je suis 50% écran, mais je n'accepterai jamais à aucun moment. Je suis un homme intègre, libre, free. When I say free, I am free. I'm fucking free. You have no idea. You know? Et jamais je vais cautionner quoi que ce soit. Et quand je pointe une irrégularité ou une injustice, trust me, I already thought about it. Je l'ai déjà pensé, repensé. Je ne fais jamais comme vous. Lorsque je me faisais insulter pour Monique Koumaté, une femme qui perd des enfants devant la cantine, à l'époque, je ne vous répondais pas encore. Parce que moi, déjà, je suis arrivé aux réseaux sociaux beaucoup plus tard, très tard, après vous. Moi, ça ne m'intéressait pas. You know? J'ai fait mon premier live l'année dernière. Vous l'avez vu. Vous faisiez les lives déjà. Moi, je n'en faisais même pas. Ça m'intéressait. Encore une fois, vous pouvez regarder sur ma page. J'ai commencé à faire les lives l'année dernière. You know? Parce que, encore une fois, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Plus tu ne réponds pas à ces gens, en fait, ça leur... Ils se sont poussés les ailes. Mais vous n'avez pas le monopole de l'insulte, les amis. And you don't want to do that with me. Je suis la dernière personne que tu as envie d'insulter, man. Man, I will whoop your ass big time. Je veux dire, dans mon quartier, personne ne s'amusait à m'insulter. Vous voyez ça, là? I have no idea what comes out of it. La réincarnation de la malbouche.
I invented that shit. I created it. J'ai inventé la malbouche. Déjà gamin. Faut demander à mes sœurs. You know? Dès que j'ouvre ma bouche, tout se gâte, quoi. Donc, c'est pas parce que j'étais calme encore une fois. Je faisais les lives. Je faisais pas de live, moi. Jusqu'à l'an dernier encore, je faisais aucun live. C'est qui m'appelle là? Je rappelle. Vous étiez déjà depuis des années à faire des lives. Mais c'est pas fini. Je viens d'apprendre le Snapchat. Mais vous êtes mort. J'ai appris le Snapchat just last week. Bro, tant que j'aurai du temps, man, I'm gonna cook you. Trust me. So, vous n'avez pas le monopole de l'insulte. Vous n'avez pas le monopole du tribalisme, whatever. What the fuck, man? Parce que vous avez eu l'habitude que les gens n'aient pas à vous répondre. Mais qu'est-ce qui vous prend même à croire que vous êtes supérieur ou whatever? No, actually, it's the other way around. C'est le contraire. C'est le contraire, man. When I look at you, you know? So, vous avez commencé le truc. Et encore une fois, je ne viens jamais sur votre page. Never. Je ne vais jamais, je dis bien jamais sur vos pages. Qu'est-ce que vous foutez sur ma page? Vous, CNE, et quand là, whatever. Ne venez pas. You don't like me? Listen, I told you. You don't like me? Don't watch my show. Do not watch my show, man. And I don't fucking care. Je m'en fous. J'ai des gens qui veulent bien regarder et m'écouter jouer et m'entendre parler et qu'on rigole ensemble. Vous n'avez pas envie. Walk away. Il y a des gens, j'aime pas tout le monde, moi. Il y a des gens, j'aime pas. J'aime pas Paul Biya. Il va jamais me trouver sur une page de Paul Biya. J'ai même pas envie d'entendre. J'ai même pas envie de le regarder. J'ai même pas envie de... I have nothing to do with him. So you know what I do? Pass. I walk away. You know? Vous ne me verrez jamais sur sa page. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce que vous foutez sur ma page? Vous voyez? Déjà là, vous dites que, oh non, vous n'aimez pas quelqu'un, vous venez machin, mais vous êtes toujours, dès que je fais un live, vous êtes déjà tous là, y compris vos ministres, le couillon là, qui a des pieds en X, là, comme ça, là. What's his name again, là? Toto, là, au moment, là. Il vient, j'ai débloqué maintenant. Il vient jusqu'à vouloir commenter sur mais est-ce que je viens sur ta page, là, gros porc, là, comment il s'appelle, Djaku Momo, là? Djaku, j'ai pas son nom kilométrique grec, là. You know? Hein? Non, je parle de son vrai nom du village. Il est trop long. That's a long fucking name, man. Non, ça, c'est non, la savane, là. Non, nobody can fucking read the goddamn fucking name, you know? Donc voilà, vous savez où ça a commencé. You know? Vous savez exactement où ça a commencé. Et le pick-up, c'était là où quand j'ai pointé du doigt le fait d'abandonner une femme qui meurt devant un hôpital public. Mais, parce qu'il y avait un ministre, je crois, un ministre qui était impliqué, qui était du Sud. J'ai dit, bah oui, il n'a pas bien fait son boulot. Aucun de vous ne s'est levé pour... Et j'ai remarqué, c'est là où j'ai remarqué, j'ai dit, mais c'est incroyable. En fait, ces gens, quand on indexe l'un d'eux, ils font un regroupement. C'est vous qui avez commencé à le faire. Eh bien, c'est vous. Alors, vous reprochez aux gens la même chose. Comme je vous dis, vous blâmez les gens des mots qui vous accablent. En fait, c'est ça. Vous ne savez pas regarder quelque chose et dire non. Alors, je vous dis, je ne vous parle même pas du nozo. Regardez sur ma page Facebook, mon autre page Facebook. Regardez bien. 4 ans déjà, où je vous disais, attention. No need to do that. On n'a pas besoin de ces élans de brutalité. Et qu'est-ce que je recevais sur ma page?
Qu'est-ce que je recevais sur ma page? Encore des insultes de vous. Et là, j'ai commencé à réaliser, en fait, j'ai dit, bah dis donc, dès que tu indexes le gouvernement, eh ben c'est un regroupement tribal. C'est ce que vous faites. Alors ne venez pas maintenant me dire, parce que je vous réponds avec mes armes à moi, you know? En plus des armes qui sont vraies. Et c'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal, c'est ce qui vous fait mal. Madame Cour, hein? Toutes vos insultes, même. Le train de vos insultes ne peut pas s'arrêter dans ma gare, les gars. You know what I mean? And my train station, espace, passe, passe. Ça rentre là, ça sort là. Je vous vois, vous devenez fou. Parce que je traite votre rapalmiste là, mais c'est un, il est pire qu'un rat. Et je vous le dis, he's worse than a rat. Le rat ne tue pas ses enfants. You get me? Le rat ne tue pas ses enfants. Et quand vous prenez même des exemples, alors vous prenez des exemples, Manny Dibango n'était pas comme ça, machin, vous êtes, you guys are dumb. Vous avez, comment vous avez traité le feu Manny Dibango? Maintenant, all of a sudden, il est devenu un héros. Bullshit. Comment vous l'avez traité déjà? J'ai même appris un mot en français. Pourtant, mon vocabulaire, il est quand même, you know, it's a good vocabulary. Mais je n'avais jamais entendu ce mot-là. Vous l'avez traité d'escroc griffé. Je me souviens encore. Vous oubliez tout. You know what? My head is like a computer, man. La tête que vous voyez là, I forget nothing. J'oublie rien. Rien. Je dis bien. Je me souviens de tout. Et avant que Manu n'aille en, à votre CMC, je crois que ça s'appelait. CNC. Je sais plus. Truc de, voilà. Truc musique, là, des droits d'auteur. On s'est vu rue de Lyon. J'étais à l'Holiday Inn, gare de Lyon. Il est venu me voir. On a parlé un peu. Moi, je lui ai dit, je lui ai donné mon avis. Je lui avais déjà dit non à l'époque. J'ai dit, mais pour structurer le truc au Cameroun, j'y vais souvent tous les ans, Manu. J'ai vu comment on tabasse entre les artistes et les vendeurs de... À l'époque, il y avait des vendeurs de cassettes dans la rue. C'était le clash à chaque fois. Moi, je leur ai dit un truc. J'ai dit, écoutez, au lieu de prendre des gros bras et aller tabasser le petit mec, le petit Camerounais qui vend des CD là, dans la rue, entre nous, est-ce que c'est lui le problème? Sometimes you need to look at the whole spectrum. Il faut regarder toute la plateforme et réfléchir. Les artistes venaient avec des gros bras et tabassaient les gars sur les lieux de marché. Et moi, je leur ai dit, ça c'est stupide ça. Qu'est-ce qu'un gars qui a en tout sur son petit plateau 5000 CFA ou 4000 CFA qui ne va même pas vendre toute la journée? Moi, je préfère voir ce gamin-là en train de vendre ses CD dans la rue, au lieu de le voir en train de cambrioler ou casser des voitures ou agresser des gens. Alors, il faut trouver le juste milieu. Je ne dis pas que je ne cautionne pas le fait qu'ils prennent illégalement des CD, des artistes et les vendent. Non. Donc, à chaque problème, il faut trouver une... Je sais pas moi, il faut trouver une synthèse, il faut trouver un juste milieu, quoi. C'est pas les tabasser ou c'est l'autre aussi, machin, truc. Mais il fallait voir ça. Vous avez encore, vous avez oublié. Les artistes prenaient des gens pour aller tabasser les vendeurs à la sauvette. I saw it. I saw it with my eyes. J'ai dit, écoutez, pourquoi vous ne vous asseyez pas entre ces gens-là? Il faut les éduquer. Et leur dire, écoutez, vous allez continuer à vendre les cassettes. Mais, ou CD ou whatever, ce que vous vendez. Mais ne vendez plus les CD des artistes qui, eux, font du Cameroun que leur marché. Qu'on s'entende bien. Donc, l'artiste qui a comme marché principal, Yaoundé ou Douala ou je ne sais pas, que vous ne fassiez pas ces copies. Mais par contre, faites des copies de Richard Benaud, de Manu, de je ne sais pas, les autres, tous les autres qui... Moi, ce n'est pas mon marché. Qu'on trouve un juste milieu. Non, c'est toujours la bataille, c'est toujours... Alors, est-ce que vous l'avez gagné? Non. Parce qu'encore une fois,
Vous n'êtes pas dans la démarche de vouloir trouver une solution qui arrange plus ou moins tout le monde. Vous ne trouverez jamais des solutions qui vont vous arranger à 100%. C'est ce que vous êtes allé chercher au Nozo. C'en est où? Et je vous dis encore, le rat ne mange pas ses enfants. Même le rat ne mange pas ses enfants. Il est encore pire qu'un rat. You know? Le rat n'est pas terroriste. You know what I mean? You know? Même le rat, j'ai été gentil. Mais j'ai dit, le rat, mais il ne vit pas comme un rat. Il sort quand? Le rat ne vit pas dans un trou là. Je ne sais pas comment vous l'appelez en français, le rat, le terrier, ou je sais pas, non, le terrier c'est pour le. Non? Le rat est toujours caché, vous ne le voyez pas. Mais puis il a vu pareil. Il lives like a rat. Où est la différence? Mais entre nous. On vous donne, c'est une description réelle de la situation. Ce n'est pas une insulte. Vous prenez ça comme une insulte, mais ce n'est pas une insulte. Alors j'aimerais encore une fois de plus, j'aimerais m'excuser auprès de personne. You get me right, là. Auprès de personne. Alors quand vous prenez l'exemple de comme je disais, Manu Dibango, RIP, peace, you know, and Manu est parti. Et maintenant vous dites, oh machin et tout, alors que vous l'avez traité comme une merde. Encore, au communiqué présidentiel, quand il annonce la mort de Manu, qu'est-ce qu'il dit? L'artiste Sawa. Really, faites même un effort. Faites même un effort. Et qui de vous, les écrans, là, quand vous avez vu ça, qui d'entre vous a dit au président, non? Manu n'avait pas juste une stature d'un artiste à Sawa. Non. Sol Makosa. Soir au village. Vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? Autre chose. Donc, comme vous aimez beaucoup ou vous aimiez beaucoup Manu Dibango, quand Manu s'en va, combien d'artistes et quand on fait un tribute à Manu Dibango? Comme vous l'aimiez beaucoup, comme vous l'aimez beaucoup. Combien d'artistes et quand se sont dit, mais faisons quelque chose pour le grand Manu. How many of you guys did that? Fact. Les faits sont là. Moi, je l'ai fait. Vous l'avez vu. Adhérer. Et si c'était encore à recommencer, je le ferais. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes toujours dans les mensonges et machin truc, mais les faits vous trahissent toujours. L'ignorance et l'arrogance vous ont trahi. C'est quand on disait, quand on appelle à la paix, vous insultez. Quand on appelle au calme, vous insultez. Quand on appelle à ce que les conditions de santé changent. Mais moi, je vis bien, moi. Quand je parle des conditions de santé, parce que je vois une femme mourir et ses deux jumeaux, ou je ne sais pas si c'était des jumelles ou jumeaux, des enfants mourir comme ça. Vous savez qui aurait pu être cet enfant ou ces aurait pu être ces enfants? You never know. You never know. L'homme providentiel peut venir de n'importe qui. Vous voyez, on utilise tous les iPhones là. Vous êtes content, hein? Tout le monde a un iPhone. Fils d'immigrés syriens. Steve Jobs. Fils d'immigrés syriens qui arrive ici et sans papier. Not documented. Right? Dans l'homme providentiel. Alors, regardez vous-même ce qu'il a fait. Si on avait réagi comme vous, ah, oh, il n'est pas immigré, il est immigré, donc il doit rentrer chez lui, dans le machin truc et tout, et tout. Vous pouvez passer à côté. L'homme providentiel peut venir de n'importe quelle souche sociale. You know? So, quand je vois comment vous tuez les enfants, et vous voulez qu'on soit calme. On ne vous a même pas vu. Longarbou est arrivé. Alors, Longarbou, c'est passé. On vous a vu tout de suite. Déjà, honneur. Les femmes qui meurent, on tire sur les femmes.
Vous avez vu les, vous avez, on vous a vu vous parader là sur les, faire des parades sur les plateaux télévisuels, dire que c'était au Mali. Ah non, c'est pas le Cameroun, c'est pas les militaires camerounais. Ah non, on s'habille pas comme ça. Est-ce que dans le Sahel, c'est pas des tenues, regarde. Mais shame on you, motherfuckers. Pour qu'après. Et pour qu'après. Oui, ok, on reconnaît. Les gars, le regard de cet enfant, il est toujours, il est gravé là, à jamais dans ma tête. Je sais que vous l'avez déjà oublié. Vous êtes, mais vous êtes des buveurs de sang. Le sang des innocents vient toujours réclamer vengeance. Trust me, mark my words, it's gonna come. Sur vous, sur vos enfants, sur vos grands-enfants. It's gonna come right there. It's karma. You ain't going no fucking where. Ce que vous faites aux autres, just watch. Just watch, relax. Le temps, man, I trust time, man. The sooner or later, it's gonna come. You know? You can't hide. Le sang des innocents vient toujours réclamer. Remember that. You know? Et moi, vous n'allez pas me faire, man. Vous n'allez pas me faire taire, man. Vous croyez que vous allez, moi, me faire taire? You fucking not. You must be fucking crazy. You don't know who you're talking to. Trust me. OK? Donc, calm down. Vous avez commencé. Les années sont passées. Les années sont passées, et puis il y a 2 ans, eh bien, j'ai commencé par vous répondre. Et vous montez à tous les niveaux. Même votre fausse votre décoration, mais vous voulez de vos trucs de choc, vous voulez des dessous de table à chaque. J'ai jamais donné de dessous de table, et j'en donnerai jamais. Ceux qui me connaissent le savent. Ain't no fucking way I pay anybody for that. T'as faim, je te dépanne. Tu machin truc, voilà, t'as besoin d'aide, je t'aide. Mais jamais ne viens pas me demander de te payer pour avoir un prix ou pour avoir un trophée ou pour être nommé. J'ai pas besoin de ça. Mais j'ai déjà des trophées. Man, I'm the man decorated everywhere. You kidding me? You know, qu'est-ce que je vais aller payer pour recevoir un prix? What? Mon prix est déjà ici. Là. You know? C'est ce que je fais tous les jours. Tu veux avoir des prix? Travaille. Laisse ce truc d'aller essayer toujours, voilà, voilà votre truc, toujours aller essayer de cocoter un petit truc, là, je te donne 500 000, alors tu me donnes le prix, après, moi, je vais, moi, je, machin, truc, mais tu vas gravir les échelons, mais l'essence n'est pas là. On sait bien, les autres le savent, que quand tu vas finalement venir t'asseoir sur l'instrument, it's not going to happen, parce que tous ces prix, tu les as achetés, you know? Et le mensonge, il est devenu, il est ancré dans vos gènes, il est congénital. Vous mentez à tous les niveaux. You know? À tous les niveaux. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Oh, il est machin, il est machin. Quand j'ai les dreadlocks, oh, il fume le bang. Vous m'avez vu? Montrez-moi une vidéo de moi en train de fumer, un jour. Une photo de moi en train de fumer, j'envoie l'herbe. Juste une. Celui qui va me trouver ça, je vous promets, je vous le dis, moi, Richard Bonin, celui qui va me trouver ça, je lui donne 10 000 dollars cash. Alors, arrêtez de faire vos écrans blablabla, formeux, ouais, il a fumé, il a fait ça. Hey, j'ai 53 ans. J'ai 53 ans. Regardez ce visage. 53 years old, baby. Look at that. J'ai encore fait aujourd'hui 12 kilomètres ce matin. You know? 53 ans, regardez-vous et regardez-moi. You know? Do we look the same? Venez courir avec moi. You want to box with me? Yo. You want to come? Amenez vos gens du beer là, 20 ans du beer là. Et venez qu'on fasse un match de boxe. I'm a whoop is that big time, man. Big time. You know? Cabra. Yeah. Et non, you gotta stop this shit. Parce que vous aviez l'habitude, toujours,
du silence des autres. Et ainsi, vous croyez complètement au-dessus de tout le monde. Non, you're not. You're not. You're not. Et je vais vous répondre. Et je vais vous répondre. I'm telling you. Si vous les soulards, regardez-vous à Yaoundé là. Qu'est-ce que Biya a développé? Rien du tout, à part les Ben Skinner et l'alcool. Regardez. Vous allez voir ce soir. Vous allez voir ce soir. Comment ça va être? L'alcool. J'en bois pas. You know? J'en bois pas. Je vais toaster ce soir, comme ça, un verre. Voilà, parce que c'est le jour, en fait, où moi aussi je bois. C'est le seul jour où je bois vraiment, mais je bois pas. Donc, tout ce que vous dites quand je dis qui m'a vu boire un jour, qui m'a vu sous, qui m'a vu machin truc, bring the video. Hein? Alors que nous, quand on dit piller, c'est avéré. C'est vrai et c'est avéré et prouvé. La canne, c'est avéré et prouvé que vous avez pillé la canne. La preuve, elle n'a pas eu lieu. Malgré votre chef qui arrive, j'en prends l'engagement. Quel engagement? Shut the fuck up. Des pillards comme ça. Même pour donner de la joie au peuple, vous êtes incapables de le faire. Et tous ceux qui n'ont pas vu le Cameroun avant, qui ne connaissent que le Cameroun de Biya, mais vous, what do you know? You don't know anything else. Tout ce que vous connaissez, c'est le truc de Biya. Mais Biya arrive déjà. Je veux dire, Biya arrive, il est nommé. Je ne suis même pas encore né. Je ne suis pas né en 64. Ma soeur, ma grande soeur est née le 30 mars 1964. Ça, c'est ma grande soeur. Et moi, je viens derrière cette grande sœur-là. C'est ça, le 30 mars, hein? OK. Waouh, non, si je commence à... Je crois, hein? Anyway. Moi, j'arrive le 28 octobre 1967. C'est-à-dire 3 ans et demi, presque 3 ans et 8 mois, après que Biya soit nommé en janvier 64. Biya est nommé en 64. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Ouais, c'est normal qu'à 60 ans que j'ai à la retraite, c'est normal. Mais qu'est-ce que lui fout encore là? Non, mais soyons un peu... Mais il y a même plus de... La population camerounaise est jeune à plus de 60%. Plus de 60% de la population camerounaise est jeune. L'espérance de vie, elle est de 59 ans chez vous. Je crois que c'est ça pour le Cameroun. Je pourrais me tromper, mais elle ne dépasse pas 60 ans. Non. OK? Donc, comment vous voulez déjà? Comment est-ce que des jeunes de 20 ans et 30 ans, c'est ce que je ne comprends pas. Quand je vois des jeunes qui sont là, ouais, notre président, oh, Biya, notre... Qu'est-ce que vous avez? You guys, il n'y a même plus de... Ain't no fucking link right there. Comment quelqu'un qui a déjà presque 90 ans parle aux gens de 20 ans. Vous allez parler de quoi? Qu'est-ce qu'il peut planifier pour vous? He's worried about some else. Il a d'autres préoccupations qui ne sont pas les vôtres. Les préoccupations d'un type de 90 ans ne sont pas les mêmes de ceux qui ont 20 ans. Ou 30 ans. OK? Et lui, il a été nommé. Il était à sa trentaine. À la trentaine, Biya a été nommé secrétariat de machin de l'éducation et tout. 32 ou 33 ans. Biya a nommé quel trentenaire au Cameroun? Citez-moi un seul trentenaire nommé par Biya. Ministre ou directeur ou whatever. Never. Que des vieux croulants là. Regardez le truc de l'Assemblée. Regardez Niat là. Des gars qui marchent, ils marchent même plus. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est même normal? Et vous croyez que c'est un pays normal? You're fucking crazy. Lui a été nommé à 30 ans, à 30 quelque chose d'année. Et il n'a jamais nommé personne d'autre. Parce que les jeunes, eux, aujourd'hui, les jeunes sont des idiots.
Ils savent rien, c'est que les vieux. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est ainsi qu'il a bousillé quatre ou trois générations. Ils nous ont avalés comme ça. Vous croyez que je n'avais pas des moyens de faire quelque chose au Cameroun? Mais ma tête, j'avais la tête qui bouillait d'idées et autres. Mais non, on a compris que non. Ce n'était pas possible. On nous a fait bien comprendre que ce n'était pas possible. Et l'autre. Mais non, mais je dis, vous êtes toujours. Quand tu as mis ta main dans le RDPC de Biya, tu commences à mentir. Qu'est-ce qu'il a dit là, machin? Je ne me suis jamais présenté au Cameroun sans visa. Moi, je respecte la loi. Vous voyez la différence entre vous et moi? On n'est pas fait de même moule là. We're not the same. On n'est pas fait de même moule. Chaque fois que j'allais au Cameroun, je prenais mon visa. Et je l'ai toujours pris. Je ne vais pas jouer à vous ou comme l'autre qui dit, il se présente à la frontière en croyant qu'avec la guitare, mais c'est n'importe quoi, poubelle, le truc là. C'est n'importe quoi. C'est pourquoi vous avez besoin de mentir? Montrez-moi la preuve que je suis arrivé dans une frontière sans visa. Je ne prends même pas mes visas. J'ai un staff qui travaille pour prendre mes visas. Ils font des demandes. Le bureau de fait des demandes. On a des gens qui travaillent. C'est pour cela qu'on paye ces gens-là. Qu'est-ce que vous croyez? Mais non. Même pour payer les employés, pour payer machin, j'ai un comptable qui le fait. C'est Mitch qui le fait. Mitch Harris le fait. C'est pas moi qui le fais. Je paye quelqu'un pour le faire. Make no mistake. Si vous croyez franchement qu'on va engager des ressources, de l'argent, le temps, payer les musiciens, techniciens pour arriver à une frontière, personne n'a oublié de prendre le visa, croyant qu'on va me laisser passer avec la guitare. Voilà un peu votre réalité des faits. Vous essayez toujours d'insinuer des trucs qui tiennent même pas la route. Et le joueur, il avait dit une fois, oui, mais moi, à chaque regroupement, je prenais toujours le visa. Écoutez bien, joueur, capitaine, qui dit, à chaque regroupement des lions, j'ai toujours pris mon visa. Ok. Ce qui sous-entend, parce que je vous demande toujours de faire marcher un peu la patte là, dans la tête, si vous en avez encore. Les neurones sont tellement pétés à force de boire l'eau colorée de bière. Là. Alors, si tu fais marcher un peu la patte, si tu as pris le visa pour venir au regroupement, ça sous-entend que tu es étranger. Parce que pour rentrer au Cameroun avec un visa, il faut être un étranger. Parce que si tu es Camerounais, tu n'as pas besoin de visa, justement. Alors, si tu joues pour l'équipe nationale du Cameroun et que tu es à prendre un visa, c'est qu'on est en train de faire jouer des étrangers. Heureusement, il s'est tué très vite. Il a laissé le. Il s'est très, très vite. Attention, avant de lancer quoi que ce soit, before you say anything, think twice. Tout ce que je vous dis là, I thought of it already. Not one time, not two times. So for you to come and corner me about it, you know, it's going to be a long way to go. Because I already thought about it. You know, je ne viens pas vous dire et machin truc. Ben, à un moment, j'ai dit, ben, je commence à répondre. Et ainsi, je vous réponds. Et quand je vous réponds, en plus, quand je vous réponds, c'est vous qui pleurez maintenant. Oh, mais c'est pas possible. Il est tribaliste. Oh, really? Oh, mince. Que quoi? Et quand vous êtes comme des perroquets, ah bon, il a dit ça. Hey, merde. Il a dit que c'est rare. Fuck you. Il est pire qu'un rat, je vous dis encore. Le rat n'est qu'une description de son attitude, de sa manière d'être, de son état d'esprit, de la manière dont il fonctionne. Vous l'avez vu quand la dernière fois? When was the last time you saw this motherfucker? When was the last time you saw it? Avec tous les problèmes que vous avez, le gars il se cache dans un trou, je ne sais même pas où il est. Yeah! C'est une attitude de rat! Et voilà, c'est la réalité, elle est là, ils sont clean, on shit. So, tout ce que vous allez dire, les faits, encore une fois, facts. Les faits, est-ce que c'est vrai ou pas? That's the question.
Alors, quand vous dites, oh, c'est un fumeur de chambre, c'est un PD. Donc, amenez les preuves. Ouais. Amenez les preuves. Ce n'est pas juste parce que vous fonctionnez toujours de cette manière. Le mensonge, le pillage, le vol, les tueries, machin truc. You're not going to kill me, trust me. You can kill me. I'll kill you. You know? So. Et puis c'est terminé. Ne croyez même pas une minute que j'ai peur de vous. Même pas une minute. Même pas une minute. Parce que le président, fuck your president. You heard me again today. Fuck rat hole motherfucker. Like it or not. Happy New Year. That's right. Ils me disent tu critiques pas. Vous m'avez vu critiquer Trump ici. Mais fuck him too. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben voilà. Mais Yaoundé, tu dis ça, oh, on en voit le pire, vous arrivez comme des singes, là, comme des macaques, là. Fuck, arrêtez. Faites peur à qui? Faites peur à personne. You know? Vous avez essayé vos conneries, là, machin, how do you call? À Accra? Quand je suis allé jouer dernièrement à Accra, je sais pas qui c'est qui a monté son truc, là, machin, truc. Genre des agents Interpol. Déjà, la réception m'appelle, il y a des agents Interpol ici pour vous. C'est OK. Interpol. Yo, les agents Interpol, j'ai appelé mon ambassade. Immédiatement, deux marshals sont arrivés là. Il fallait voir les agents Interpol là, avec culottes mouillées comme ça là. Quel agent Interpol? Non, mais vous êtes malade. Vous croyez que vous allez m'arrêter? Pour quel motif? Pour quel motif? Un certain. Vous croyez que les États-Unis vont me laisser faire arrêter comme ça, là? Shit. Au moins ici, je suis quelque chose, voilà. Que je vous dise. Que vous le sachiez, mais non. Et je vais même venir là-bas. Je vais même venir là-bas, vous toiser, vous n'allez rien faire. Le jour où je viens là-bas, je préviens mon ambassade. Nothing you could do. Nothing you could do. You know? Arrêtez de toujours vouloir faire. Vous faites peur aux gens là-bas au Cameroun. Vous faites peur aux gens au Cameroun. Sorti du Cameroun, you ain't nothing. You know? Nothing, 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 nothing. Mais revenez encore en Suisse. Vous dites toujours au Cameroun, qu'est-ce que je viens faire dans la boue là? On fait comment déjà pour arriver là-bas? Avec votre poussière, je vois rien du tout. Pourquoi il ne revient plus à Genève là? Mais venez ici aussi. Come here, Fugabos. Arrêtez de jouer au truc, viens ici au Cameroun, tu vas voir. Qu'est-ce que je viens foutre là-bas? Tu as vu comment je vis ici? Je viens foutre là-bas. Hein? Il faut que je vienne avec mon moustiquaire, il faut que je vienne avec mon timor, mon taïga, mon bâton, mon. Non, fuck. Hein? Je ne peux pas dormir la nuit, tu es là toute la nuit, qui commence à s'en et mon moustique partout, c'est pas carré. You know? Je dors ici, je dors dehors, je dors, j'ai des hamacs là dehors, je dors chez moi, je mets le petit feu là. Yo, j'ai plus une ambiance dans le village ici que vous à Douala. Ouais, non, really. Que je vous dise la vérité. Et ça te manque le message. Non, j'ai plus une ambiance d'un vrai village ici, chez moi. En Afrique. You know? Tranquillement, là, comme la fille, là, j'ai vu une autre fille, là, tranquillement, tranquille. Hein? Une fille ivoirienne. J'ai vu une fille ivoirienne qui m'a fait rien. Elle fait tranquillement, tranquille. Hein? Coro, les mots te disent quelque chose. C'est tranquillement, tranquille. J'ai pas le nom de la fille. I like her, man. She's badass. You know. Et donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, mon mea culpa de la journée. Parce que je sais que vous faites souvent, vous faites machin truc et puis vous faites le mea culpa derrière, machin. Mea culpa or what? Quand je vous dis quelque chose, je l'ai déjà pensé. OK? Et il n'a pas ça. Oh, il n'a pas ça. Et il n'a pas les enfants. Mais pourquoi vous n'avez aucune substance? Si vous allez même, on n'est même pas parfait, personne n'est parfait, mais trouvez au moins des choses. Trouvez des choses.
Réfléchissez, mais comme vous avez perdu un peu de neurones, la force de boire l'eau colorée là, drinking that dumbass dirty water, man, that shit kill the fucking. Le truc a complètement grillé vos neurones. You know? Quand je niaise là, vous voyez les enfants que je fais? Regardez vous-même les muscles. Ceux qui ont connu mon père derrière de la salle là. 1,97 m, hein? Tous ceux qui ont connu mon père, mon fils, c'est pareil. Les mêmes épaules, la même tête, la même machin truc. La carrure, machin truc. Hein? Moi-même, je suis un peu nain, là, 1,80 m, c'est parce que c'est ma mère qui nous a trahis, quoi. C'est vraiment. 1 mètre, ma mère faisait. était pas très grande. C'est elle qui nous a. Oh, mince. Ma mère faisait pas 1,55 m, hein. Si, 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 quand même. Ma mère faisait 1,56 m à peu près. Donc, voilà, donc du coup, on a fait le milieu, quoi. Moi, j'ai pris un peu du père, j'ai pris un peu de la mère, donc je me suis arrêté au milieu. Donc, c'est la maman qui a gâché le truc, quoi. J'aurais pu faire 2 mètres. Mais mon fils a pris, c'est fou, il a pris tout de mon père, en fait, de mon grand-père. Oui, il est métisse, mais tu vois, je le vois quand je suis derrière lui. Sa posture et tout, exactement comme celle de mon père. C'est incroyable. Le dernier, il est halfway. Il n'est pas complètement. Il est halfway. Donc, des fois, ça passe les parents et ça, voilà, ça dérive sur la morphologie du grand-père ou de la grand-mère. Donc, quand vous dites oh, il n'a pas les enfants, oh, il n'a pas machin truc, mais allez même au moins vérifier, mais arrêtez. Mais vous n'avez pas honte. Mais vous n'avez pas honte. Quand vous dites oh, l'autre n'est pas marié, machin truc et tout, c'est pas s'il faut avoir des scandales comme vos stars, là, toujours dans des scandales de trucs et des filles et des photos à poil et machin truc et machin et ça, machin, on a attrapé le téléphone de l'autre. Vous n'entendrez jamais ça ici. Never. Never. Ça découle de l'éducation aussi, de la manière de. We're not the same. Je vous ai demandé juste un truc. Si vous sortiez simplement de ma page, si vous étiez intelligent, si vous l'avez vu venir, si vous étiez intelligent, vous disiez, you know what, lui, laisse-le de côté. On ne l'attaque pas. Vous ne l'avez pas fait. Vous allez continuer à m'attaquer. Mais je suis libre. I'm free to say what I want to say. And I will remain free. You know? Et ça ne va rien changer. Vous n'achetez même pas mes albums. Regarde-moi les tocards là. Vous achetez mes albums. Kefiro. Kuro do Bama Tema. Vous n'achetez rien. Vous êtes là et l'autre. On va brûler tes albums. Ah bon? Mais brûlez-les. L'angliado. Non, là, je vous parle maintenant. Je vous parle en foufoulé. Vous êtes même Camerounais, vous parlez pas les langues camerounaises. Mais vous me faites honte. Hein? Partout, tu me mets au Cameroun, paf. Tu vois déjà que vous voyez les vrais tourneurs déjà. On faisait des tournées au Cameroun déjà. Hein? Comment il s'appelait le mec qui avait le camion de musique là? Oh putain. J'ai oublié son nom. Mais on tournait, on allait depuis le nord, on revenait. Ma mère parlait foufouldé, elle m'a appris le foufouldé. Vous croyez que j'ai oublié? Hein? Et la Sawalé qui vient toujours là et fait faire de machin de truc. Hey, vous, je vous ai dit, vous n'êtes pas concerné par le débat. Vous n'êtes pas concerné par ce débat. Mettez-vous à côté. Allez parler à Dangote à qui vous avez vendu les lieux sacrés. OK? Pas moi. Quand vous venez là, quoi, il est quoi, un dis donc, dis ben solo, ok? Dis ben du moment. Puis le bien puis la porte pour un tatin, dis ben solo, ok? Dans côté à vous bien soit moni, hein? À choquer bien y en a, bien là, dis c'est. Ils ont vendu les lieux dits sacrés. Et machin truc, un lieu sacré, hey, ça c'est bientôt 100 ans, cette dame-là.
je ne vendrai jamais cette dame. Jamais je vendrai. Et mes fils le savent. S'il faut que ça aille au musée, ça ira au musée. Mais ça, c'est sacré. Ça ne se vend pas. Les choses sacrées, après, elles ont une âme, un esprit. Lorsque vous vendez ça, karma. It's not going to be good. Et je peux vous dire, it doesn't look good. You know? So, je vous dis souvent, tenez-vous à l'écart. So, biyoteme mbasan, comme on dit souvent là. Biyoteme mbasan, diba mindumbu. Ok? Le dibipe mindumbu. Voilà. Langa bibele yanyu. Le langa bibele, langa mitin, langa bibele, le dibipe mindumbu. Adjan, c'est titre foncé yongo. Ok? Mais ne viens pas ici pour me donner des leçons de morale. Je n'essaie pas de moi-même. I need no moral. I don't need your fucking moral position to tell me how I should talk to people. No. Chouin. Donc, vous déjà, votre dossier, je suis même pas encore sur votre dossier. Et ne l'ouvrez pas, j'ai pas envie. Parce que si je l'ouvre là, alors, si j'ouvre votre dossier, mais vous, je vais bury your life, mais je vais vous enterrer vivant. Donc, je préfère vous dire encore, faites pas l'erreur que les écrans ont fait. De toujours systématiquement attaquer dès que tu dis quelque chose. On t'attaque. Tu parles plus. Ne faites pas la guerre aux étudiants, on attaque. Les magistrats sortent pour en changer. Je dis, mais non, ne brutalisez pas. On t'attaque. Monique Koumate, on t'attaque. Eva, on t'attaque. Mais je dis, mais c'est pas possible. Mais ces gens, en fait, ils ont vécu dans le rituel des attaques et machin, tu constamment, tout le temps. Et quand j'ai saisi, mais non, l'ampleur des dégâts, j'ai dit, you know what? I'm going to start answering to these people. I am going to hunt you. You know? Vous êtes toute une tribu, je suis seul. En plus, je peux vous infiltrer facilement. Tous vous payez des jeunes pour créer des faux profils. Hein? Il y a deux jeunes qui me l'ont avoué. Vous payez des jeunes pour des faux profils pour aller insulter les autres gens. Je paye personne. I need nobody. I could do it. You know? I do not need anyone. I do it. And good. I do it good. La preuve, je vous envoie deux missiles là. Tout Yaoundé des gens en branle. Alors que c'est nouvel an. Hein? Je vous envoie deux petits missiles là. Hein? Et tunnel sous la manche là. Est-ce que je mens? Non. Est-ce que c'est le mensonge? Non. La preuve, quand on rentre dans vos avions, quand un avion va chez vous là en Simalène là, pourquoi ils font toujours le partout là? J'ai demandé, c'est quoi ce truc là? Mais oui, il y a beaucoup trop de tunnels sous la manche. You know? Personne ne va vous le dire. C'est un sujet sensible, mais moi je vous le dis. You open this thing et tu mets le déodorant. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait? Ben, c'est ce qu'on fait. Non, vous arrivez avec vos costumes, cravates, là, le mec qui s'assoit à côté de moi, mais j'ai l'impression que je vais arrêter de respirer. Mais attends, vous voulez me tuer? What the fuck is going on? Y'all want to kill me? You want to kill me? Shit. Du coup, les hôtesses de l'air sont obligées de pulvériser dessus. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et quand on me dit, mais c'est pas possible ça. Vous n'allez pas intoxiquer les gens? Hein? Costard, cravate, tunnel sous la manche là. Je sais même pas comment j'ai trouvé ça. Le tunnel sous la manche. Hein? J'ai jamais été même sous le tunnel sous la manche pour dire je suis passé dans le train, mais j'ai jamais été dessous pour vous dire honnêtement. You know? Même pour vous, je vous le dis, vous le prenez mal, mais c'est pour votre bien. Vous allez voir une belle fille là, vous rencontrez une Suédoise, une Française ou une Portugaise, je ne sais pas moi où là. Mais mettez-vous un déodorant. Hein? Take a nice shower, put some, you know, on the, mets le truc sous le, là. Mais oui. Mais oui, même à mon fils, je vous dis, même à mon fils, je l'ai dit à un moment, c'est des jeunes à 13, 14 ans, j'ai dit,
Viens là, tonton, assieds-toi. Je vais te dire un truc, moi. So, listen to me, man. Tu es un bonheur, ok? And you gotta look good and smell good. That's it. Et pour ça, voici ce qu'il faut faire. Et quand vous n'avez pas été éduqué à ça, vous le prenez mal tout de suite, alors que vous le savez vous-même. Vous le savez vous-même. Tu rentres dans un taxi, tu vois le mec qui a la tête à la fenêtre. Pas si craint les odeurs. Tu crains quelles odeurs? Hein? Chupacabra. You know? Bon, je vous souhaite bonne année, les amis, à tout le monde. Mais alors là, l'année 2020 est derrière nous maintenant. OK? Attaquons cette année. Et j'espère que this gonna be a good year, man. Même si la crise va encore faire ses effets, parce que le truc va pas disparaître comme ça. Hein. J'en parlais encore hier. C'est un peu compliqué. On dirait qu'il y a un truc qui cloche derrière tout ça. You know? Il dit social distance. Moi, je vois rien de social dedans. You know? Quand on dit socializing, when you go socializing with people, quand on dit social, c'est un terme différent. Quand on fait quarantine, quarantine, c'est les gens qui sont avérés et confirmés malades. Je suis pas malade, moi. Arrêtez de dire I need to quarantine. Quarantine, what? I'm not sick. You know? So, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu floues, quoi. Et hier, ouais, c'est vrai, les gens qui vont à la messe tout de suite, les religieux, alors eux. Quand je pose un problème, je dis simplement, j'essaye de comprendre pourquoi on nous dit qu'on ne peut pas aller dans un club de musique, on ne peut pas manger dans un restaurant, mais on peut aller à l'église. Et le métro est ouvert. Ok. So I don't get it. Can somebody explain that to me? Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer ici pour moi que je comprenne? Parce que ma tête, you know? J'essaye de comprendre. Oh, les religieux, mais non, faut pas parler, machin, c'est le culte de Dieu. Rien à voir. C'est vous qui êtes hors sujet. J'essaye de comprendre pourquoi on peut aller à l'église, on peut aller à l'église, et on peut pas aller jouer dans un club de jazz, et on ne peut pas aller à, comment tu dis, au restaurant, manger à l'intérieur du restaurant. C'est quoi la différence? Parce que vous avez l'eau bénite à l'église? Mais break here. Right? So, again, j'essaie juste de comprendre. Et si vous n'avez pas de réponse, okay? And be good, okay? And I love you even more. Et j'aime tout le monde, just so that you know. I love all of you motherfuckers, man. I love you so much, you have no idea, you know? Okay? Et c'est même ceux qui m'aiment pas. Je vous souhaite une bonne année, man. Have fun. Don't get drunk, okay? Ne buvez pas beaucoup, par contre, okay? Même si vous m'aimez pas, c'est pas grave. I love you. And I hope I see you guys next year. J'espère que les concerts qu'on a en train de booker pour l'année prochaine vont avoir lieu. And we're gonna have fun again. OK? Et ce soir, moi, je vais faire. Ouh, on va faire la fête ici, là. Sans aller faire les courses, là. Ça va déchirer, là. On va faire la fête, là. Je vais boire, moi,
Ma boisson préférée, c'est le prosecco là. Aujourd'hui, c'est pas le champagne. Je vais boire deux verres de prosecco là. Et puis voilà. Donc je vous dis bonne année. And be good. Be good. L'année, quand l'année commence comme ça, just time reflect. You know, je sais que ça a été une année dure, mais c'est aussi un moment de, you know, to reflect, reflection and thinking and, you know, do good. OK? Quand vous voyez l'autre devant vous, respectez-le. Ne pensez pas une minute à vouloir aller le tuer ou whatever. Non, that's not good, man. That's not rock and roll, man. That's not ninja mentality, man. Ninja is love, man. Peace and respect. You know? Always, baby. Okay? I love you all. Take care.